Salut à toutes et à tous, c'est Tizo. On se retrouve eh ben, cette fois pour le dernier arc de notre aventure sur Medal of Honor, bataille du Pacifique. Donc j'avais pas compris au début que le prologue qu'on avait qui se passait à Tarawa, ben, en fait on l'a juste après la mission des avions. En fait j'avais oublié puisque ça fait longtemps que le prologue, à la fin du prologue dans le jeu, il y a marqué genre 9 mois plus tôt, un truc comme ça. Donc là on va revenir au prologue pour l'épilogue. Gros paradoxe. Non, en fait on va juste finir le dernier arc et j'ai hâte de dézinguer des mecs. Bon, on va continuer. Et je vais me taire puisqu'il y a une petite cinématique. Oui, j'ai allé un peu vérifier ce qui m'attendait. Et bon. Bon, le début, vous le connaissez sur la plage, hein, etc. Hein, ça, c'est la même chose. Bon, la cinématique est un peu longue, hein, donc soyez patients les amis. Enfin, on va pouvoir finir ce jeu. Ok, ouais, putain, j'étais content quand j'ai réussi à le refaire marcher. En tout cas, merci Origins. Il n'y a pas à dire. Alors aussi que je termine Men of Valor, et ça se passera juste après. En tout cas, j'espère que varier entre Tales from the Borderlands et Medal of Honor, et ben ça vous plaît. On va tellement raser l'endroit que même l'enfer n'en voudra pas. Bref, c'est ce qu'on nous dit dans la marine. Je veux bien les croire, mais ce sont les gars qui ne descendent pas à terre qui racontent les plus gros bobards. Toute la nuit, j'ai entendu nos navires pilonner Tarawa. À l'aube, j'ai vu l'île pour la première fois, et elle a une sale tête. C'est ce qui me fait peur. Ça et le fait qu'ils nous ont donné un steak et des œufs ce matin, c'est la première fois. Mais c'est un peu la porte du Japon ici. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'ils y sont eux aussi. Ça ne me dérange pas. Moi non plus, il n'y aura plus un Jap à 2 km à la ronde. Je ne compterais pas dessus si j'étais toi. Si vous avez envie de gerber les bleus, je vous conseille de le faire tout de suite. Les 3 semaines. C'est comme ça qu'on appelait la bleusaille. 3 semaines de classe, ça suffisait pas. Ils faisaient pas de vieux os la plupart du temps. Les classes ou les biscottos, ça a aucune importance en fait. Quand on fait le premier combat, ça vous change un homme. Tarawa, c'est jamais qu'un morceau de sable au milieu de nulle part. Mais pour pas mal de monde, ce sera le terminus. La seule bonne nouvelle dans cette chienlit, c'est que Franck est en train de se la couler douce à l'hosto. Et à faire du gringue aux infirmières. Comme ça, je sais qu'il me reste au moins un copain en vie. Des fois, je me dis que Franck a tiré le bon numéro, finalement. Nous autres, on a encore une île à reprendre. Espérons qu'on repartira pas les pieds devant. Tommy, on se retrouve sur la plage! Je vais juste vérifier le son si c'est bon. Son, oui, c'est bon. Donc Tarawa, si je me rappelle bien, c'est l'une des dernières grandes batailles de la guerre du Pacifique. Attends, je crois qu'il y a Iwo Jima, Tarawa, Okinawa. Le Peleliu, c'est en plein milieu, je crois. Je dis peut-être des bêtises, mais bon. Je suis allé voir d'ailleurs sur Wikipédia à quoi elle... Wow, putain. Il y a des mecs. Putain. Ah putain,
Excusez-moi, j'étais en train de parler, j'ai été coupé par par un bateau ennemi, un gros paquebot. Oh, excusez-moi, c'était peut-être ailleurs un peu trop fort. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Désolé, faut que je prenne les touches en main. Ah, génial. Fusil à pompe. Explosif. Est-ce qu'on peut viser dans le jeu au moins? Je me rappelle même plus. Commande. C'est Alt gauche. À la limite, fallait que je paramètre la touche visée enfoncée. Dernière arme utilisée. Pour utiliser le pad gauche, pencher, s'accroupir, regarder, viser. Équipe, ordonner, appeler, courir. Ah, je crois bien que je vais devoir rester appuyé pour viser. Oh. Excusez-moi, j'essaye d'y aller doucement. J'essaie d'y aller doucement pour pas trop me faire tuer parce que je me rappelle que le jeu est assez compliqué. C'est un jeu des années 2000 et quand c'est un jeu des années 2000, c'est compliqué. Oups. Excusez-moi. Il y a des bonbonnes de gaz juste là, c'est... Hop là. Hop là. Que j'en ai en haut, non je crois pas. Oh putain, qu'est-ce qui m'a touché? Ah si, il y en avait en haut, génial là. Génial, ça commence bien. Où est-ce qu'ils vont me faire redémarrer, c'est con? Ah d'accord, il faut redémarrer là.
Elle est pas mort, génial. Allez, sors. Allez, sors. Bah, c'est pas possible. Ah non, il m'a achevé, génial. Eh, ça commence bien les amis, vous avez vu. À peine j'arrive, j'arrive pas à passer le quai. Bah, si on me laissait passer aussi. Je vais voir si il y a la sauvegarde rapide, je me rappelle plus. Voilà. Hop, oh, bordel. Yeah. Ils veulent pas mourir, hein. On va y aller tout doucement. Oh putain, moi je suis des balles géniales.
Voilà, c'est là que la partie la plus drôle commence. Ah, génial. Alors. Ah putain, bravo! Je sais même pas comment on fait pour échapper à celui-là, je crois qu'il faut rester sur la... Je suis pas sûr, mais je crois qu'il faut que je reste sur la plage. Recharge. Ah, je sais... Putain, faut que j'arrive à passer le barrage. Un petit F5.
Putain, c'est la merde. Je vois personne qui tire là. Putain. Avec 15 PV, t'es sérieux? J'ai 5 PV les copains, arrêtez. Ils veulent que je fasse quoi avec 5 PV? J'ai pas de PV, j'ai que 10 balles, génial. Putain, il y a des ennemis là-bas. Allez-y les copains. Oh nickel. Vas-y, donne-moi de la coque. Un steak haché. Et c'est bon. Ah, c'est moi qui donne les ordres ou pas au final? Putain, c'est la merde. Oh génial, putain. Après toutes ces galères, on a réussi enfin à arriver. En tout cas, moi je trouve que le côté aller chercher, planquer des trousses de soins, etc., gérer la façon dont progresser, ça c'était déjà un peu réaliste. Ça c'est un bon côté, ça met un peu plus de piment à la, au gameplay. Bon, par contre, avancer à 2 à l'heure, etc., enfin les déplacements, le maniement des armes, le regarder dans le viseur, c'est un peu pourri. Du coup, limite, tirer au jugé avec le viseur, le réticule du HUD, il est mieux, quoi. Allez, c'est parti. Les choses sérieuses commencent. Allez voir si, est-ce qu'ils m'ont donné des balles, là. Ouais. 20 balles. Attends, on est ici. Ça, limite, c'est mieux que j'aille au fusil, au peupon. Ah, sauf que je peux pas avancer par là. Allez, remonte ta tronche. Ah, non.
Je tire dessus, vous avez vu. Ah ouais, c'est ça, prends tes balles. Ta gueule. Bon, ça c'est fait. Ah putain, faut pas que je me... Je suis bête, faut pas que je saute sur les barbelés. On va économiser ça pour sniper. Ouais, j'ai pas trop envie de prendre des armes ennemies tout de suite. Ah toi, tu me laisses pas le choix. Ah putain, les voix, ça me rappelle World at War. Ah, ils m'ont donné des balles. C'est ça qu'on veut. Petit F5 pour sauvegarder. Tiens, il a réussi à passer celui-là.